Siamo le parti fili e spirito sanctiamo, vieni sancte spirito, se per tuo ancora figlio, nel tuo amore si nega, scende. E mette spirito un tuo, mi crea buon tuo. Oremo se si ricorda figlio, un sancte spirito, della sessione da questi, da nobile signore di un spirito, le casapere, e Dio sempre con sta sessione da godere, perché sono dopo il nostro nome. Cosa che di Gesù, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean Gardien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en fait. Encore une très grande et importante invitation qui est surtout dirigée vers notre deuxième, très importante, la plus importante faculté de l'âme, c'est la volonté. C'est choisir. On va vers le choix. Toute la vie, on va faire des choix. Et si on fait toujours le bon choix, on va au ciel. Donc, on va apprendre à faire des choix convenablement. Donc, 149, la méditation de trois classes d'hommes pour se déterminer à suivre la plus parfaite classe d'hommes. Donc, raison préparatoire, numéro 46, pas oublié, adoration, mettre en état en présence de Dieu et l'horizon. Premier prélude est l'histoire qui va servir de base à la méditation. Ici, trois classes d'hommes, toutes les trois ont acquis 10 000 ducats. C'est une fortune. Disons, c'est un demi-million d'euros. Ducats, c'est des pièces de numéro 150. Numéro 150. C'est la suite de la méditation avant, de deux attendards. Ça va? Donc, 10 000 ducats, disons, c'est une somme énorme. C'est de, voilà, disons, un demi-million ou un million d'euros. Sans se proposer purement et uniquement le motif de l'amour de Dieu. Ils ont acquis cet argent sans le reporter à Dieu et à leur salut. Mais elles veulent se sauver, leur âme, et trouver Dieu, notre Seigneur, dans la paix. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Et se déchargeant d'un poids qui les arrête, et en surmontant l'obstacle qu'elles rencontrent à leur dessein dans l'affection au bien qu'elles ont acquis. Donc elles ont acquis beaucoup d'argent d'une autre façon, sans forcément avoir fait un crime, mais ils se rendent compte qu'ils sont vraiment attachés maintenant à cette grande somme. Alors, ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils s'inquiètent pour leur salut. Alors, ils veulent se mettre en ordre. Second prélude est la composition de Dieu. Ici, je me considérais moi-même en présence de Dieu, notre Seigneur, et de tous les saints, dans la disposition de désirer et de connaître ce qui serait le plus agréable à sa divine volonté. Donc, je veux savoir ce que Dieu en pense de cet argent, ce qu'il va faire avec cet argent. Quelle est la meilleure chose pour faire mon salut? Parce que le principe et fondement, c'est d'utiliser toutes les créatures autant que pour autant que ça nous mène au ciel. Voilà, c'est ça. On va maintenant appliquer ce principe devant une richesse. Et vous voyez que les richesses, c'est un point faible parce que c'est la tactique du démon pour nous faire tomber. Pour nous faire dévier, justement. Alors, vous comprenez que c'est important, parce que si on arrive bien à gérer ça, on a déjoué la tactique du diable radicalement. Radicalement. Donc, on a acquis une grande somme d'argent, mais pas forcément par un crime. Mais ce n'est pas acquis
avec une pure intention. On n'a pas voulu l'acquérir, par exemple, pour faire du bien, des bonnes œuvres, et pour juste notre propre nécessité pour faire des bonnes œuvres. On n'a pas pensé à ça. Mais on a maintenant, on a obtenu cet argent énorme, une grande somme, et on se sent attaché. Alors, la première prélude, c'est que je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Je voudrais savoir quelle est la meilleure façon, donc autant pour en tant que je dois utiliser cet argent pour aller le plus sûrement au ciel. C'est correct. C'est juste appliquer le principe. La première méditation, vous comprenez maintenant, si vous avez compris à fond la première méditation, on peut en arrêter la retraite. C'est juste l'application, tout le temps l'appliquer, le premier principe et fondement. Et nous ne sommes pas des anges, donc il faut aller donc expliquer, expliquer, expliquer. Et maintenant, c'est encore une explication particulière qui est très utile. Et vous sentez déjà que c'est très réel. Si on vous propose 1 million d'euros et vous avez des besoins financiers, vous n'êtes pas indifférent à cela. Ça chatouille, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose. Ça vous appelle, comme on dit, interpelle. Hein? Alors, est-ce que ça m'interpelle selon le principe et fondement, ou est-ce que je vais exagérer de l'un à l'autre côté? Je vais exagérer. Est-ce que je vais tenir le cap de autant pour autant que? Le troisième prélude est la demande de ce que l'on veut obtenir. Ici, je demanderai la grâce de choisir ce qui sera en effet le plus glorieux à la Divine Majesté, le plus avantageux au sein de mon âme. La première classe d'hommes voudrait se défaire de l'affection qu'elle éprouve pour le bien qu'elle possède. Elle se trouve attirée par ce bien. Et cette attraction à ce bien, je sais que ce n'est pas bien. C'est l'attachement aux choses du monde. Il faut que je m'en détaché des choses du monde et je me sens attaché. Je me sens appelé, je me sens, voilà, je jouis de cette chose et je me sens bien. C'est comme quelque chose qui possède mon âme. Et alors, c'est une affection déréglée, je me l'en vais faire. Afin de trouver Dieu, notre Seigneur, dans la paix et de pouvoir opérer son salut convenablement. Et si on a beaucoup d'argent, comme Jésus-Christ dit, de plus qu'on a d'argent, il y a un souci pour le garder, le développer, etc. Comment s'occuper de l'argent, comment le placer, etc. Alors, on est occupé avec cet argent au lieu de s'occuper de votre âme et de prier, de faire lecture spirituelle et de occuper la sainteté, etc. On passe du temps avec l'argent qu'on n'a finalement pas vraiment nécessaire pour aller au ciel. On n'a pas besoin d'un million d'euros pour aller au ciel. Donc ça va prendre beaucoup de temps, et le temps on a besoin pour mériter le ciel. Le temps nous est donné pour mériter le ciel, pour aller au ciel. C'est encore une créature, et c'est tout ça, c'est pour le ciel. Voilà. C'est le principe et fondement. Alors, la première classe, mais elle l'emploie de fait, donc elle voudrait bien se défaire de cette affection déréglée pour en paix servir notre Seigneur d'une manière plus convenablement et plus exactement pour tenir le autant pour autant qu'eux. La sainte indifférence, mais elle ne trouve plus la sainte indifférence. Et elle n'emploie de fait aucun moyen avant l'heure de la mort. Donc, ils ont de bonnes intentions, mais c'est une velléité. C'est beaucoup trop faible. Ce n'est pas suffisant. Et on dit, il y a un flamand, je ne sais pas si en français ça existe, la voie de l'enfer est pavée par de bonnes intentions. La voie de l'enfer est pavée de plein de plus bonnes intentions, c'est-à-dire de velléité. On voudrait faire le bien, mais finalement, on ne le fait pas. Eh bien, c'est la voie de l'enfer. Il faut, donc ce n'est pas une bonne classe. La seconde classe veut détruire cette affection. Elle veut la détruire.
C'est bien ça. Mais c'est une sainte pensée. Mais elle le veut à la condition de conserver le bien acquis. Donc, il pose comme condition, je vais garder ces millions d'euros, mais je ne veux pas en être attaché. Ça semble un petit peu bizarre parce que poser comme condition qu'on veut garder, ça montre déjà un certain attachement. Ce n'est pas la sainte indifférence. Donc, ce qu'il veut, c'est bizarre. Ils veulent absolument détruire cette affection déréglée. Ils veulent avoir la sainte indifférence, mais pour le reste, à condition qu'on conserve le bien. Oui, c'est vouloir la sainteté en même temps et l'attachement. Donc, c'est servir deux maîtres. Hein. Le mammon est Dieu. Hein. Jésus dit, c'est impossible de servir deux seigneurs à la fois. Elle voudrait amener Dieu à son... Ah oui, à Dieu à son désir. Elle voudrait que Dieu, l'évêque, le prêtre, son confesseur, lui disent, oui, gardez ça. Alors, là, voilà, c'est Dieu qui a parlé par le prêtre. Elle voudrait amener Dieu, si c'est possible, à son désir. Et si Dieu le veut que je garde, eh bien c'est en ordre, c'est lui qui l'a voulu. C'est magnifique. Donc il souhaite que Dieu donc fait garder ça, donc les 1 million d'euros, 10 000 ducats. C'est des pièces d'or. Hein. Dans la paix et de pouvoir opérer son salut. Mais elle n'emploie de fait aucun moyen. Attendez, c'est pas ça. Elle voudrait amener Dieu à son désir et elle ne peut se déterminer à quitter ce qu'elle possède pour aller à Dieu, quand même ce parti serait le meilleur pour elle. Donc, si, même si elle comprend cette personne que c'est mieux pour elle, le seul moyen pour se défaire de cette affection et se donner l'argent aux pauvres, voilà, s'en défaire et faire des bonnes œuvres, voilà, pff, paf. Ça m'embête plus parce que ça me cause un attachement et c'est déréglé. Je suis tout le temps occupé à placer cet argent et à voir comment, etc. Voilà. Eh bien, elle ne peut se déterminer à quitter. Elle n'arrive pas à mener Dieu à leur dessein et Dieu fait le comprendre, c'est mieux pour cette personne de s'en défaire en réalité. Ne pas garder cet argent. La troisième classe veut ainsi se dégager de cette affection aussi, et elle le veut de telle sorte qu'elle n'est pas plus portée à conserver la somme acquise qu'à ne pas la conserver, réellement. Donc elle cherche vraiment la sainte indifférence. Parce que parfois Dieu veut qu'on garde l'argent. Parce qu'on en a besoin pour faire des choses. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On est en guerre, donc parfois on a besoin d'un minimum. Et parfois, si on fait on a une grande responsabilité, on a besoin de grands moyens. Et donc, c'est possible que Dieu veuille qu'on ait cet argent et qu'on organise quelque chose pour le bien de son âme et de l'âme des autres, sa famille et les personnes pour la société, etc. Par exemple, faire une imprimerie de bons livres, absolument nécessaire, rééditer des missels, rééditer, par exemple, il faudra rééditer le compendium de toutes les indulgences. On n'a qu'un résumé en français. En flamand, existent toutes les indulgences qu'on peut acquérir avant le concile, donc c'est toujours valable. Il y a tout, 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 tout. C'est important. Ça n'existe pas en français. C'est dommage. Il faudrait éditer ça. Il faudrait être un missel qui est totalement en ordre, des catéchismes, des livres qui sont totalement en ordre. C'est important. Donc, j'ai donné un exemple et ça ne va pas comme ça demande de l'argent. Hein, il faudra d'autres qui. Une autre personne commence. Par exemple, fonder un couvent. Mais pour ça, il faut un terrain, il faut un bâtiment, il faut une infrastructure. Et les religieuses ne vont pas quand même faire le vœu de pauvreté parce qu'ils ne possèdent pas individuellement la chose.
Donc, il n'y a pas de problème d'attachement parce qu'ils ne possèdent pas, ils sont comme un. Ça appartient à la communauté, pas à eux. Donc, et pour les Capucins, ça va encore plus loin, ça appartient à quelqu'un d'autre, à l'évêque, normalement. Même la communauté ne possède pas leur couvent. C'est encore plus sévère. Non, mais on a quand même besoin d'argent même pour quelqu'un qui a fait de vœux de pauvreté, il a besoin de quelque chose. Et ça peut coûter assez cher, parce que maintenant, ça coûte cher, les immobiliers. Faire un centre de messe, ça veut de l'argent. Donc, parfois, le bon Dieu veut qu'on ait cet argent pour en faire parce que c'est nécessaire. Ça peut arriver, bien sûr, bien sûr. Et on a vu dans la construction de l'Église que des rois, des empereurs, des barons, des comtes, des ducs, qui sont pieux, ont donné des sommes énormes à des saints totalement dépouillés, qui vivent pauvrement et humblement, mais ils ont quand même mis à disposition des terrains et de l'argent pour construire un monastère, et c'était nécessaire. Parce qu'ils ont enterré des centaines d'hommes, ils ont fait construire, ils ont fait beaucoup de bien, c'était un centre de sainteté. Voilà. Donc, il va pas forcément se défaire de cet argent. Il va uniquement, mais purement, uniquement laisser décider le bon Dieu. Et si vous dépassez vos argent, donnez aux pauvres, comme Jésus dit, donnez tout aux pauvres et suivez-moi, d'accord? Donnez aux pauvres, je vous suis, voilà. Il y en a qui ont fait ça, n'est-ce pas? Qui ont tout distribué aux pauvres et qui sont devenus moines, des gens riches et puissants. Des personnes très riches et puissantes, ils ont décidé, il y en a pas mal qui ont décidé de devenir moines et ne plus rien posséder et de faire les plus humbles tâches dans un monastère. Les plus humbles tâches de monastère. Ils avaient des titres glorieux et que personne n'utilise ce titre. Il y en a même qui cherchaient un couvent dans l'étranger où ils n'étaient pas connus. C'était quelqu'un. Un prince, un fils de roi, une personne avec une haute dignité, il ne voulait pas qu'il soit honoré pour cela, qu'il soit connu. Et ils sont spécialement allés dans un couvent où ils n'étaient pas connus pour être traités comme tout le monde, comme un homme du peuple, l'humilité, voilà. Donc cette personne ne consulterait pour la retenir ou pour s'en défaire que le mouvement intérieur de la grâce. Et ce qui lui paraîtra le meilleur pour le service et la louange de la Divine Majesté. En attendant, elle veut se conduire comme ayant tout abandonné de cœur et s'efforce de ne désirer ni ce qu'elle possède, ni aucun autre bien sur la terre que dans la seule considération du service de la Majesté Divine. En sorte que le désir de pouvoir mieux servir Dieu, notre Seigneur, sera son unique règle. Pour se déterminer à retenir le bien qu'elle a acquis ou s'en dépouiller. Eh bien, ça, c'est correct. Ça, c'est l'application concrètement du principe, n'est-ce pas, et fondement servir de créatures qui sont à notre disposition autant que pour autant qu'ils nous amènent au ciel. C'est parfait, c'est magnifique, c'est très bien. Et un saint, lui, il a gardé son pouvoir. Il aurait pu abdiquer pour aller dans un couvent. Et parfois, il y en a qui ont voulu faire ça. Ils ont été arrêtés par le pape, par des évêques. Non, 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 non. Restez au pouvoir parce que personne ne va vous remplacer. La nation a besoin de vous. Vous gérez très bien vos choses. Vous êtes prudent, vous êtes juste. Vous êtes bon pour les pauvres, pour le peuple. Ça, c'est très bien. On a besoin de vous. Il n'y a personne qui peut faire si vous abdiquez, ça va être le chaos. Il y a un indigne qui va se mettre, qui va encore profiter, ça va être la catastrophe. Vous avez le devoir, au nom de Dieu, de rester au pouvoir. C'est magnifique, hein? Ça est accessible. Il y a eu des cas comme ça, qui voulaient entrer dans le couvent et qui ont été arrêtés par le pape. Alors, ils ont, par obéissance, ils vont rester au pouvoir et ils ont autant que possible, quand même, une vie spirituelle, prier, mortifier, tout ça, mais quand même, ils ont bien géré leur devoir, l'affaire publique, res publica, hein, la chose publique. Donc, l'État.
Ça n'a rien à voir avec la République, de la Révolution et de la franc-maçonnerie. Respublica, à l'origine, ça veut dire l'État, la chose publique, la chose commune, la chose de national. Respublica. En attendant, voilà, donc, on terminera cet exercice par les trois colloques de la contemplation des deux étendards. Et encore des remarques ici. Il faut remarquer que quand nous éprouvons de la répugnance ou une affection contraire à la pauvreté actuelle, quand nous ne sommes pas dans une véritable indifférence, une sainte indifférence, c'est le numéro 157, entre la pauvreté et les richesses, de demander dans les colloques, malgré les mouvements de la nature, que le Seigneur daigne nous appeler à ce genre de pauvreté, en lui protestant que nous le voulons et que nous le lui demandons, que nous l'en supplions, pourvu que ce soit pour la gloire et le service de la Cité du Monde. Si vous sentez en vous un mouvement d'avarice, d'attachement aux choses de la terre, eh bien, demandez le contraire, hein, la remède, la pauvreté d'esprit est même réelle, autant que Dieu trouve que c'est bien pour vous. Voilà, laissez-lui décider, laissez-le décider. Voilà. C'est une contemplation donc très, très, très utile, très importante. Voilà. Parce qu'à quoi servent les paroles, les intentions, mais il faut encore. Et je dis, c'est important parce que c'est par les richesses que le diable nous prend. Donc, si on a une sainte indifférence envers la richesse, on a déjà cassé les armes du démon. L'arme la plus importante, la tactique. Richesse, honneur, orgueil. Tous les autres vices. Non, bah. Je reste dans la simplicité, je vis du nécessaire et ça me suffit. Et pour le reste, je vais me sanctifier autant que possible. Magnifique. Voilà. Donc, allez faire cette méditation, s'il vous plaît.